Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur un nouvel épisode de Dishonored et c'est la deuxième épisode et donc on va continuer lorsqu'on s'est arrêté la semaine dernière si je me trompe pas. Donc pour cela on doit charger notre partie et donc on était dans le premier chapitre. Je sais plus où il est. Ah oui, c'est ici. Donc on va cliquer et on va continuer. On s'est arrêté dans les égouts de Dunwall. En effet. Donc, je sais plus quoi dire là. Bon voilà, on s'est arrêté ici carrément. Bon là, voilà. Je vais ouvrir la porte. On a joué la tueur, c'est pas dans du mal. Enfin, quelques gardes de plus. Attends. Quand on a tué l'impératrice. Ferme. Regarde ça. Quelqu'un est venu ici. C'est qui tu parles? Il te fait peur? Il vient de Cerconos. Il y a que des marchands et des catins là-bas. Des troupes. Oh putain, on m'a repéré, merde. Ah non, c'est Lara. C'est Lara, voilà. En fait, les rats, ils mangent les cadavres, quoi. Ils mangent les hommes. Genre, voilà, ils mangent tout ce qu'ils voient devant eux. Donc voilà, on doit être vraiment vigilant si on veut pas se faire bouffer par des rats. Donc où est-ce que je suis maintenant? Dans les égouts, voilà. J'aime pas vraiment les égouts parce que, merde, voilà, c'est pour ça que j'aime pas les égouts. Putain. Il y a des rats partout ici. Bon, on va monter. D'accord, il y a un cadavre. Maintenir comme ça et on va le jeter dans dans l'eau. Je pense qu'on va le jeter dans l'eau. Voilà, allez, hop là. Ensuite on va tourner ce machin là, je sais plus comment il s'appelle. Donc matériel caché. Bon, je pense qu'on doit monter, non, si je me trompe pas. Ah oui, On n'est pas censé charger les cadavres sur les chariots. C'est quoi ça? Qui est inondé? Si, mais c'est trop loin. Ah, c'est les poubelles. Et je sais pas toi, mais moi je veux pas choper la peste. Hein. Bah, on n'est pas protégé par l'élixir. Qui sait? En tout cas, balançons-les ici. Les rats, les parle. Ah oui, les gens là-bas, là. Okay, d'accord. Ok, bon. Attendez. Que je dois faire là, c'est de monter là, ensuite prendre ces cadavres et les jeter quelque part pour les rats. Et comme ça je peux, en fait, je peux ouvrir cette porte. Merde, pas maintenant, je dois courir. Attendez, bon, on va prendre encore un autre cadavre. Attends, ça c'est fait. On va tourner le volet là, le volant, je sais pas quoi. Le volant, voilà. Ça s'appelle le volant. Bon bref. On va continuer notre jeu tranquillement. Ah, on parle de moi. S'est temporairement soustrait à sa détention. De braves agents de l'État sont morts en tentant de l'arrêter. Il doit être capturé à tout prix, mort ou vif. Oh putain! Putain! J'ai sursauté là! Merde! Bon bref! C'est quoi ça? À l'attention du protecteur. Bon, vous mettez pause si vous voulez lire, mais moi je veux pas lire. Salutations, Corvo. Où devrais-je dire protecteur? Comment vous appelez avant qu'on retire justement ce titre? Bref. Donc, ah oui, voilà, enfin les armes. Équipement spécial, ouais, voilà. Enfin. Maintenant, on peut jouer bien. Sympa. Yep. Alors, ouais, voilà. Attends. Voilà. Donc, je vais choisir ça.
C'est bon, on y va. La porte est blindée. Voilà, c'est bon. Je sais pas comment je peux y aller de l'autre côté là. Je vais essayer d'y aller de l'autre côté. Attendez, il y a des clés ou pas? Attendez. Bourse, il n'y a pas de clé. Je sais pas, attendez deux secondes. Voilà. On y va. Vous avez vu ça? Avez-vous vu comment j'ai dépassé cette fille? Putain, coup de chance quoi. J'ai lu. Au cas où tu serais bête, demande ça, regarde ton whisky, t'aurais de la réponse, whisky compris. Si tu veux ta part, tu trouves ça. Ah ouais, c'est un truc codé, mais je sais pas, il est où la code. Attendez, pas le voir. Whisky, alors il est où le whisky? En sorte de productif, non, on s'en fout. Le whisky, je sais pas, il est où le whisky, il est pas dans l'eau par hasard. Non, bon, ouais, on y va. On peut pas, d'accord, on revient. Allez-y, c'est bon. Ça c'est fait. C'est fait. Ah là 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 là. C'est un peu chiant de nager quand même. Regardez-moi ça. Bon, on va être dynamique là. Est-ce que je dois y aller maintenant? On y va. Y en a marre. Ne laisserai pas filer, cher. Lorsque tu crois que tu fais le quoi? Seul face à lui, t'as aucune chance. Et je fais quoi s'il y a personne d'autre dans le coin? Essaie de faire du raffut en mourant. Fais tomber un truc si possible. Crevard. Attendez, attendez, y'a un gars. Un gars ici que je vais l'assassiner d'en haut. Pour cela, on fait comme ça. Et on va sauter sur lui. C'est ça. Merde, j'ai raté. Putain. Tiens ça. Pouf. Yes, yes. Allez, moi. On va le fouiller. Et ensuite. Pop, pop, pop. Alors, je sais que j'ai entendu quelque chose. Merde. Oh putain. Oh putain. Je sais que vous êtes dans le coin. On va allez, vous va chercher. Allez, tombe. Il est fort quand même. Bouf ça. Qui veut se battre? Qui veut se battre? Allez. Merde. Moi je vais sauvegarder ici en fait. En cas où je meurs. Oh putain non. Nom de Dieu. Merde, on est revenu en arrière. Moi je pouvais pas sauvegarder en même temps parce que là. Bon c'est pas grave, on va y aller vite fait, bien fait, tranquille, je suis vraiment désolé. Quelqu'un est là, franchement. On va faire tout ça vite fait. Sans que, bon je parle beaucoup là, on va faire vraiment vite fait là. Je connais ça par cœur, comment on doit faire. Donc là je cours à fond. Il y a des rats, ensuite on va nager comme ça. Là je sprint hein. Là je sprint. Bon on y va, faut vite. Ça. Ça. Cadavre. Putain vas-y. Allez. Putain. Volant d'ouverture, c'est ça. On va le maintenir, on va ouvrir la porte et on va se casser vite fait. Ok, ça c'est fait. Tour. Les rats, d'accord. C'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est fait. On y va. On n'est pas protégé par les mixiques. On y va. Bon, il y a des gens qui parlent là-haut. On va jeter ça au rat. Tout doucement. On va y aller là. On va tourner le volant. On va courir là comme ça. C'est
ça. Votre attention, citoyen de Denois. Ensuite, on va chercher notre arme. Il est où? Eh merde, j'ai pas mon arme, j'ai oublié mon arme. C'est temporairement soustrait à sa détention. De braves agents de l'État. Attendez, on va revenir. Si je reviens, on va crever. Donc, on va sauvegarder. Je sais pas, mais bon. Regardez ici, attendez. Je réfléchis. Bon, c'est pas grave, je pense pas que c'est grave, hein. On s'en fout, on va y aller, on va continuer. Je sais comment faire. Donc, on va sauter, on va monter là-haut. En espérant de trouver mes armes encore une nouvelle fois. Ouais, je pense que je vais le trouver ici, non? Ouais, ouais, je savais que ça allait exploser. Vous m'aurez plus cette fois-ci. Et voilà mes armes. Mesdames et messieurs, on a retrouvé notre arme. Bon, on va passer ça. Bon, on peut pas passer. On va rester 2 secondes. Ouais, c'est bien. Elle est cool. Alors là, ensuite, bon, je vais chercher celui. Et celui-là. Maintenir, porter. On va ouvrir la porte. Pour chaque objet équipé, oui, voilà, donc pour ça, on va mettre comme ça. Allez, on va voir la porte blindée. Oh. Eh ben non, on va faire comme ça. Et oui, on a réussi une nouvelle fois. La première fois, c'était mieux. Vous savez pourquoi? Parce que, tout simplement, j'avais pas vu le truc. Donc, et donc comme j'avais pas vu ce truc et comme j'étais en train de sprinter, donc j'ai dépassé le truc sans voir. Tu fais le point. Bref, on est revenu où est-ce qu'on s'est arrêté. Je fais quoi s'il y a personne d'autre dans le coin? Donc maintenant, on va refaire notre possible. Technique. Alors, ça, on va faire ça. Oui, on a raté, c'est pas grave, on va prendre une autre. On va jeter ça. Sans le génieur crever là-dedans. Eh oui, c'est moi le génieur. Vas-y, le prochain. Hein? Eh ouais. Personne ne m'a vu. Eh, hey, c'était quoi? Je sais que j'ai entendu quelque chose. On va jeter comme ça. On va vite fait. Fermé. On va faire ça vite fait, bien fait. Meurs. Ouais, je lui ai coupé la tête. Merde. Bonsoir. Wow. On va bloquer dans la rivière. Y'a pas. Bouffe ça, connard. Attendez, c'est bon, on y va. Ensuite, où est-ce qu'on va y aller? Je change ma voix. J'aime bien quand je change ma voix, en effet. Et donc, je parle plus et plus tranquillement, je pense. Donc, on va continuer notre route. Ah, Samuel. Eh non, je pense pas. Votre attention, citoyen de Denois. L'assassin Corvo, coupable du meurtre de notre impératrice bien-aimée de l'enlèvement. Mais c'est bon, on a bien. Non, j'ai pas. C'est pas moi qui ai assassiné quand même. Oh putain. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ce que tu dis. Bon. Et je travaille pour des gens bien qui aimeraient beaucoup vous rencontrer. Ils ont dit que je vous trouverai là. Ah bon? J'ai encore du mal à y croire. Je vais vous conduire à eux. Bon, c'est pas loin d'ici par le fleuve. Bon, on y va, qu'est-ce qu'on attend? D'accord, l'ami, allons-y. Et voilà, on a fini cette petite objectif et on a fini cette. Ce chapitre. Qui s'appelle Déshonoré. Et on va continuer malgré tout. Mais comme je fais pas des actions spéciales et tout, je vais tout droit vers l'émission. Et donc voilà. Donc on va continuer notre mission quoi, notre playthrough, notre histoire plutôt, dans ce magnifique jeu que j'ai vraiment adoré. Et vraiment le scénario il était vraiment bien. Bref, où est-ce qu'on est? Voici le allez, il va pas parler lui.
fermée au public, tout comme la moitié du quartier déclaré sinistré par la peste. Nous sommes juste sous le nez du Lord Régent, et il ne se doute de rien. Ok, d'accord. Bien sûr, si quelqu'un découvre ce qu'on fait ici, la garde va débarquer l'épée au poing. Avec votre évasion, le Lord Régent va mettre la ville à sac pour vous retrouver. Non, sans blague. Je vous emmène. C'est vrai ce que tu dis ou pas? Le reste des loyalistes. L'amiral est un homme plein de ressources. Si quelqu'un peut vous aider à retrouver cette petite Lady Amini, il avait votre honneur, c'est bien lui. D'accord. Si c'est vrai ce que tu dis, pourquoi pas? Donc, on va sauvegarder ici. Enfin, non, on va pas sauvegarder ici, on va sauvegarder un petit peu après. Donc, indice de mission mise à jour. Appuyez sur Select pour lire. Samuel le passeur vous fait traverser la rivière depuis le bagne du Cold Ridge. Il travaille pour un mouvement clandestin qui s'oppose au règne illégal du Lord Régent et vous a amené devant ses membres. Donc, on va y aller chez les loyalistes. D'après cette. L'avenir est en marche, amiral. Nous avons tout. Nous en reparlerons plus tard, Lord Pendleton. Le héros du jour est à Corvo. Sérieux? Je suis l'amiral Aflock, tel serviteur de l'Empire. Jusqu'à ce que le Lord Régent renvoie ceux qui refusaient de reconnaître sa légitimité. Je suis Lord Trevor Pendleton. Je représente la noblesse dans notre petit groupe. Enchanté. Mais nous sommes tous égaux ici, au Hound Hill. C'est un moment décisif, Corvo. Je vous le dis sans fioriture. Nous avons fondé une coalition de loyalistes, dans le but de mettre fin à la tyrannie du Lord Régent et restaurer le trône. Au risque d'être exécutés, nous sommes décidés à retrouver la jeune Lady Emily et la voir couronnée impératrice. Nous avons un plan, mais nous ne pouvons rien faire sans vous. Il nous faut votre talent, notamment pendant le combat. Si vous nous aidez, nous vous aiderons à vous venger de ceux qui ont tué l'impératrice. Désolé, vous êtes sûrement épuisé. Nous en reparlerons lorsque vous serez reposé. Quoi? Mais avant de partir, okay. Allez donc vous présenter à Pierrot. C'est un provocateur, mais son génie sans égal lui donne ce droit. C'est qui Pierrot? Oui. Pierrot est J'ai aussi oublié. Bien artiste qu'ingénieur. Il vous fabriquera l'équipement qu'il vous faut. Ah d'accord, je le connais. Allez lui parler, lui dormez un ouais, peu. Ouais. Nous nous parlerons plus tard. Ah d'accord, pourquoi pas. Il est où Pierrot? Pierrot, je t'attends. Je lui fabriquerai un... Salut. Non. Sur mesure, rien pour vous. Je vais vous créer les outils d'un maître assassin. Non. Non. Voilà, pas maintenant, le réservoir qui est cassé. Vous pourriez m'en descendre à nouveau pendant que je maintiens ça. Place. Mais attention, l'huile est instable. Les explosions font... Ouais, d'accord, on a compris, c'est pas grave en vrai. Je vais t'en ramener si t'en veux. Alors. Voilà, un réservoir. Bon, on va le laisser ici un petit moment. On va voir ce qu'il y a. Ouais, ta gueule, toi. Alors. On va prendre celui-là. On va prendre notre réservoir de baleine. Huile de baleine. Parfait. Branchez-le. Chien. C'est parfait, merci. Fait. Là, vous voyez, de rien. Le masque de l'assassin. Vous êtes un homme recherché, donc tout le monde connaît votre tête. Mais avec ce masque, vous allez les terroriser. Alors là, ne bougez plus, il faut que je vous l'ajuste. Voilà. Vous voyez correctement. Cette lentille n'est pas alignée, là. Ça y est, c'est mieux, non? Je peux vous faire bien d'autres choses. Des améliorations, des armes, des munitions. Mais nous manquons cruellement de moyens. Trouvez-moi des objets de valeur en ville et j'irai les revendre au marché noir. Ça nous donnera des fonds pour fabriquer ce qu'il vous faut. Dites-moi ce que je peux faire pour vous. Bon, là, on vient de parler, là. Bon, ne faites rien, voilà, tout vous simplement. Vous devez être épuisé. Je vous conseille d'aller dormir au plus vite. Votre existence va être mise à rude épreuve. Alors, allez vous reposer. Oui, c'est mieux, je vais me reposer dans ma chambre. Bonne nuit.
Une bonne nuit. Il est matin là, je pense. Attendez, on va voir. Non, il faisait l'après-midi. Bref, on continue. Regardez-moi ce lit. Regardez-moi ce lit. Oh mon dieu. Putain. Regardez cette chambre. Elle est moche. Putain, ça fait peur franchement de dormir ici. Personnellement j'aurais peur. Hein. Je vous le cache pas. On sort là maintenant. Ah. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Attendez, là. Là, je comprends plus rien, en fait. Bonjour, Corvo. Ma vie a bien changé dernièrement. L'impératrice est morte. Sa précieuse enfant, Emily, est perdue quelque part dans la ville. Et tu vas jouer un rôle crucial dans les temps à venir. Voilà pourquoi je t'ai amené ici, dans le grand vide. Je suis l'outsider, et voici ma marque. Il existe des forces dans ce monde et bien au-delà, des puissances que l'homme appelle magie. Et moi, je les mets à ton service. Prends ce nouveau pouvoir, c'est un cadeau. Viens me trouver. Ok, d'accord, c'est bien. Comment on fait ? Appuyez sur LT pour faire un bond. D'accord. D'accord, on va essayer. LT, c'est ça. Eh oui, c'est ça. Ouais, c'est l'impératrice, hein. Lettre tombée à terre. Vous ne pouvez pas la sauver, vous ne pouvez pas la sauver, vous ne pouvez pas la sauver. Bref. Bon, ok. Ok. On va continuer. On va aller. C'est ça ce pouvoir magique? Ok, il est pas assez magique. Ouais, c'est qui lui? C'est toi ça. Corvo, je suis très triste. Ils disent que tu es mort, comme ma mère. Enfin, comme mère. Je vais mettre cette lettre dans une bouteille et la jeter à la rivière, car je refuse de les croire. La vie est très étrange et je ne m'y plais pas. Je ne m'y plais pas. Bon, bref. Je t'en prie, viens me chercher si tu le veux. Si tu le peux, voilà. Si je peux, ok, d'accord, je sais pas. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ah, d'accord. On la viole peut-être? Mais non, je rigole. Arrêtez de rigoler aussi avec moi. Alors, ouvre cette coffre. Ah, remettre. D'accord, sympa. C'est qui lui là? Ah, ça c'est l'ordre régent, je pense, non? C'est quoi ça? Mio Dio, c'est quoi ça? Ok, ne m'écrase pas. Voilà, on est ici, non? Ah, d'accord, je vais courir là. C'est quand même bizarre cette scène là, elle est étrangement bizarre. Parce que là, on n'est pas vraiment dans le domaine de réalité. Je sais pas s'il rêve ou pas. Dans les temps à venir, maintes épreuves t'attendent, Corvo. Cherche les ruines anciennes portant la marque, dans les lieux isolés de ton monde et les temples érigés en mon nom. Ces runes t'offriront des pouvoirs supérieurs aux autres mortels. Pour t'aider à trouver ces runes, prends donc ceci. Le cœur d'un être vivant, façonné de mes mains. Avec ce cœur, tu connaîtras bien des secrets. Il te guidera vers mes runes, où qu'elles puissent être cachées. Écoute le cœur à présent, et trouve une autre rune. D'accord, hein. Là, il y a ma manette qui vibre un peu. Voilà. Il y a le cœur qui vibre. Enfin, pas le cœur, ma manette qui vibre.
d'après les battements du cœur là. Pour l'instant il est pas fortement, mais ça continue de plus en plus. Voilà, ça s'accélère. Attendez, on va voir. Oh, il m'a fait peur. Hein. Attendez, je vais revenir. Oh là là, mon dieu. Voilà, ici. Et... non. Voilà, il y a ma manette qui vibre de plus en plus. Et là, ça devient de plus en plus chaud, en effet. Il est où le cœur? Oh 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 oh. Calmos. Regardez comment ma main va vibrer. Oh mon dieu. À fond là hein. On va le prendre. On va le prendre. Intéressant. D'accord. Ça me permet d'avoir des pouvoirs. D'accord. On va choisir quoi? Jouvence peut-être. Augmente votre santé. Non, je vais prendre vision des ténèbres, c'est mieux. Voilà. Voilà, c'est bon, c'est fait. Ce que tu fais de tes pouvoirs ne dépend que de toi. Il en fut de même pour tous les autres avant toi. À présent, je te renvoie dans ton monde. Avant moi? Mais sache que je t'observerai avec grand intérêt. Il est bizarre ce type qui s'appelle l'outsider quand même. Vous ne trouvez pas? Moi je le trouve. Ouais, le gars à la radio qui parle tout le temps là, sans arrêt. Ah, ce n'était pas un rêve. D'accord. On va sauvegarder ici, attendez. C'est bon, je pense. Nouveau jour. Parlez à l'amiral Havelock au bar. Ok, why not? So we're gonna go. Vous pouvez, mais ce sera inutile. And now pourquoi? I don't think so. Il ne peut pas dormir dans des lits normaux, dit-il. Il aurait passé trop de temps dans la marine. C'est fou, non? Oh. C'est où cette porte là, bon sang? Il l'a construit à partir d'une vieille porte. Oh merde. Allez, ouvrons cette porte. Bon, on va sortir là directement, on s'en fout. On est des fourbes. On s'accélère. Voilà, c'est ici je pense. Ouais, c'est là. Bien. Bon. Venons-en au fait. D'abord, je sais que cet assassinat n'a rien de plaisant. Mais parfois, il faut savoir se salir les mains pour faire un monde meilleur. L'objectif est clair. Rétablir la lignée de Sa Majesté en retrouvant Emily Caldwin et en la mettant sur le trône. Pour cela, nous agirons cachés dans l'ombre. Nous les aurons, l'un après l'autre. Ce soir, le superviseur Campbell mourra de votre main. Ce ne sera pas facile. Il est protégé par ses superviseurs, une bande de fanatiques religieux. Et si quelqu'un peut le faire, c'est vous. Vos exploits sont légendaires. Campbell a sur lui un journal. Quand vous l'aurez tué, prenez-le, car nous pensons qu'il indique l'endroit où se trouve Emily. La retrouver est bien sûr indispensable, si elle est en vie. Voilà pour l'essentiel. Servez notre cause et frappez juste. Nous comptons sur vous. D'accord, moi aussi. Campbell détient un ancien superviseur. Non, c'est bon, je veux pas. Martin, c'est l'un des nôtres. Et si vous le retrouvez, aidez-le autant que vous le pourrez. C'est un maître stratège qui s'est fait prendre à travailler pour nous. D'accord, d'accord. Corvo, bonjour. Je suis Calista. Je travaille pour l'amiral Havelock. Excusez-moi de me mêler de vos affaires, mais c'est important. Je suppose que vous allez assassiner le grand superviseur. Cet homme affreux. Vous n'avez aucune raison d'écouter mes propos. Mais mon oncle, Geoff Curnow, est capitaine de la garde urbaine. C'est un homme bon et il est ma seule famille. Les serviteurs racontent que Campbell vient de recevoir un poison exotique. Et je pense savoir pourquoi. Mon oncle n'est pas corrompu comme les autres. Campbell veut empoisonner mon oncle. Pensez-vous pouvoir le protéger? C'est dans vos cordes, non? C'était votre boulot avant que... que vous ne deveniez... Mais c'est bon, arrête de pleurer. Ouais, d'accord, c'est bon.
Bon, les gars, on va s'arrêter ici. Donc, je vais sauvegarder cette partie où est-ce qu'on s'est arrêté jusqu'à maintenant. Donc, j'espère que cette vidéo, ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter et de vous abonner si vous voulez voir d'autres playthroughs sur cette chaîne. Donc, j'espère, voilà. Donc, on va s'arrêter ici et donc, on va continuer ce playthrough de Dishonored. Probablement la semaine prochaine ou bien ce samedi et dimanche ou plutôt ce week-end. Donc voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Donc sur ce, je vous laisse et à la prochaine playthrough de Dishonored. On se revoit. Allez, ciao tout le monde.